compétition comme celle-là, ben, elle est pérenne, elle est solide, elle est unique en Europe, et c'est pour ça que j'y participe, parce que c'est un coup d'adrénaline extraordinaire à chaque fois. Et puis, ben, voilà, 25 ans de trophée Andros, 26 ans de journal. Moi, je n'ai que 10 ans de trophée, et j'essaie d'apprendre dans ce trophée. On a changé d'écurie par rapport à l'année dernière. On a retrouvé une auto avec laquelle nous avions couru déjà pendant 5 ans et qui nous convient parfaitement, qu'on arrive à piloter, qui est plus facile à piloter que celle de l'an dernier. L'an dernier, on a eu beaucoup de mal à figurer dans les classements de manière correcte, notamment Olivier qui était parmi les meilleurs, qui il y a 2 ans avait fait un podium ici à Isola avec cette voiture. L'an dernier, on a changé d'auto. Bon, ça a été un peu moins bien. Et là, on revient à cette voiture qu'on aime bien et qui fonctionne bien. Moi, j'ai déjà fait 2 podiums depuis le début de la saison dans ma catégorie, celle des amateurs, des indépendants. Et puis Olivier progresse dans le classement. Pour une fois, c'est le fils qui traîne son père en compétition. Voilà, donc je suis mon fils. Lui, il est parmi les meilleurs dans le top 10 et moi, j'essaie de rester dans le top 20. C'est pas mal, comme on est 21 pilotes, c'est pas difficile, mais il faut pas être dernier. C'est formidable d'être dans cette équipe Saint-Éloc parce qu'il y a Jean-Philippe Dérault qui est le premier pilote de l'écurie et qui gagne le trophée depuis des années, qui était à la lutte autrefois avec Alain Prost. Une fois sur deux, c'est l'un qui gagnait, l'autre qui gagnait. Là, depuis que Prost a arrêté, Dérault gagne tout, il est imbattable. Et c'est vrai qu'on regarde attentivement comment il pilote, on regarde attentivement ce qu'il fait. Pour autant, on n'essaie pas de le copier, il a sa manière de piloter qui est unique et qu'on admire tous énormément. Mais quand on a la chance de faire un tour de piste avec lui à pied et qu'il donne des conseils, c'est génial pour un amateur comme moi d'avoir affaire à un grand pro comme Jean-Philippe Dérault qui gagne le trophée et qui donne des conseils formidables, y compris en s'adaptant même, en adaptant le pilotage, les conseils de pilotage à mon niveau de pilotage à moi. Forcément, on est dans le jeu quand on participe au trophée Andros parce que ce sont de gros investissements, c'est un gros budget, ce sont des sponsors qu'il faut satisfaire. Il faut essayer de figurer au mieux. Et puis c'est vrai que même si on est amateur, même si on ne se prend pas au sérieux comme moi, dès qu'on met un casque, on essaie de faire au mieux, ne serait-ce que pour remercier les mécaniciens qui ont préparé l'auto, qui la règlent avec amour, qui la réparent, qui la bichonnent tous les soirs. À chaque fois qu'on prend le volant, on a pratiquement une voiture neuve et c'est génial. Donc pour eux, on essaie de faire au mieux. Et puis moi, comme je pars le premier, puisque dans le classement général, je suis un peu en bas, je pars avant Olivier, donc je remarque de temps en temps qu'il y a des petits réglages à faire comme ci, comme ça. Donc ça permet de re-régler la voiture pour Olivier. On essaie de faire au mieux, bien sûr, on se prend au sérieux. Quand on est en finale, comme on va l'être tout à l'heure, on met le casque, on part, on essaie de passer, de doubler la voiture qui est devant soi, ou en tout cas de ne pas se laisser distancer. Et puis c'est vrai que d'année en année, on progresse, quoi. Je ne suis plus le petit débutant qui tapait dans le mur de neige à chaque fois. Maintenant, je tape un peu moins souvent. Et puis bon, on a appris quand même quelques techniques. Et puis ça, voilà, c'est des temps qui ne sont pas très loin de ceux des meilleurs, mais qui sont derrière, normal. Un petit mot quand même, comme vous êtes d'ici, pour dire que Isola 2000, on a une piste formidable, malgré les conditions météo qui ont été difficiles cette année, parce qu'il a fait assez doux. Ils ont réussi à faire de la glace un jour de grand froid, et c'est extraordinaire, la glace a tenu. C'est-à-dire qu'on a à Isola l'une des plus belles pistes de la saison, alors qu'hier il devait faire 10 degrés, je crois, il y avait de la glace vive en dessous. Elle est encore là aujourd'hui, et c'est magique. Un coup de chapeau aux organisateurs et à ceux qui ont fait cette piste d'Isola, elle est magnifique. Seconde fois en électrique à Isola aussi, sur le trophée Andros. Donc voilà, que du bonheur de venir rouler avec au milieu de pilotes professionnels, amateurs, sur cette surface qui est très, très difficile à apprivoiser, la glace. Donc beaucoup de bonheur. Ouais. J'ai été réinvité par l'organisation pour participer à cette étape. Donc comment refuser, quoi. C'est toujours hyper intéressant de pouvoir finalement essayer d'apprivoiser ces petites bêtes sur la glace, quoi. Ah, ces 4 tours à enchaîner, c'est compliqué pour le trophée Andros. Imaginez, il en donne un de plus. Mais 56, hein, c'est pas mal du tout. Mais ça a failli faire appel contre appel, expertise contre expertise aussi. Hein. Alors, ça n'a rien à voir avec une essence. Déjà, c'est hyper réactif et c'est surtout une propulsion aussi. Donc, il faut vraiment savoir doser l'accélération pour ne pas partir à la faute. Et il faut aussi prendre de l'assurance
en bout de ligne droite pour donner un bon coup de frein et placer la voiture en dévers, se servir justement de cette inertie mais de façon latérale. Donc voilà, c'est pas mal de technicité et j'adore les petites choses comme ça quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous la même voiture, il y a un certain sentiment d'équité aussi, et ça c'est je trouve que c'est intéressant, c'est la particularité justement du trophée Andros électrique. Toutes les voitures font le même poids, elles ont la même configuration, les mêmes pneus. Et finalement, c'est là où on se rend compte qu'on peut faire la différence sur le pilotage, quoi. Et à chaque fois, ça passe à quelques centimètres. Donc, j'ai de la chance. J'arrive à rentrer dans les baquets, et c'est le plus important. Aussi Alain Bernard et bien sûr Monsieur Estrosi et Max Lambert pour cette remise de prix. Madame, mademoiselle, messieurs, merci beaucoup pour cette première journée ici sur le circuit d'Isola. On est ravis de vous accueillir effectivement aujourd'hui sur une opération qu'on intitule le 4matic Live. C'est une opération que MB Côte d'Azur et ses équipes mènent depuis 2 ans maintenant sur la station d'Isola, qui nous paraît être un des meilleurs endroits pour le faire, puisque le circuit de glace est connu dans le cadre du trophée Andros. Donc c'est un endroit où on peut véritablement mettre en valeur nos produits et la gamme 4matic, c'est-à-dire en fait la transmission intégrale selon Mercedes-Benz. C'est une vraie journée de relations clients. C'est vraiment le parti pris, c'est démontré par le produit. Par rapport à d'autres concurrents, malheureusement, on a une notoriété à améliorer sur ce 4matic. On pense avoir une solution technologique tout à fait performante. Et cette démonstration, la plus probante évidemment, c'est sur la neige. Mais évidemment, le système vous amènera tous les avantages de sécurité sur route mouillée, puisque c'est une transmission intégrale permanente. L'atelier le plus spectaculaire, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le circuit de glace. Évidemment, on a la chance d'être accompagné par des pilotes de la station qui sont à même vraiment de mettre le produit dans des conditions extrêmes et de montrer un petit peu les limites du produit. C'est évidemment pas dans ces situations-là que nos clients seront amenés à utiliser les véhicules. C'est le deuxième atelier qui est plus proche de l'utilisation classique. C'est un atelier route. On fait une jonction entre Isola Station et Isola Village. Ça permet de se rendre compte vraiment du comportement du véhicule, la transmission intégrale couplée avec les pneus neige, qui est un véritable ensemble extrêmement convaincant en termes de comportement routier. Et puis, par rapport à la technique que vous mentionniez, effectivement, un atelier spécifiquement technique avec un de nos techniciens maison qui explique en fait les spécificités de notre système, comment se fait cette gestion de façon complètement séparée aux 4 roues, avec une analyse permanente de la motricité qui permet encore une fois d'assurer la meilleure adhérence dans toutes les situations. Oh, regarde, voilà, j'ai pas besoin de vraiment contre-braquer, je fais rien. La voiture prend de la vitesse et je suis en glisse. Et là, je suis obligé de doser l'accélérateur. Encore une fois, la preuve par le produit, extrêmement important encore une fois de mettre en valeur ces véhicules, de montrer aux clients, les informer aussi sur le fait qu'on élargit notre gamme, c'est-à-dire qu'au-delà des modèles qu'on associe traditionnellement aux 4x4, ce qu'on appelle les SUV, donc nos GLK, nos ML, on a la chance de voir cette technologie passer progressivement sur l'ensemble des gammes, et notamment sur nos nouvelles gammes compactes, puisque depuis cette année, la classe B, bientôt la classe A, en tout cas dès maintenant en motorisation essence, en motorisation diesel dans quelques mois, seront également disponibles à la vente dans cette transmission 4matic. C'est l'anniversaire de la Renault 8 Gordini. Donc c'était la première qui est sortie, c'était une Renault 8 Gordini mais avec un moteur 1100. Et après, quelques années après, soit fin 66, elle a dû sortir, puisque j'ai eu en 67, on est passé à la 1300. Dans les deux cas, c'est le même comportement routier, même dérive, même facilité de conduite, c'est pareil. Faire le Monte Carlo, c'est toujours sympa, le faire en Renault 8 Gordini, c'est encore plus sympa. Et puis là, c'était juste pour participer avec tout le team Renault Classique. On avait engagé 5 voitures et l'objectif principal était de montrer ces voitures et de participer à l'épreuve sans objectif particulier. Parce qu'il y a une bonne ambiance, on passe sur de belles routes, l'Automobile Club de Monaco organise ça parfaitement, donc tout va bien. Il y a toujours un gros public au Monte Carlo, les gens viennent de très loin, même de l'étranger. Ils voient des voitures et une autre chose que le WRC ou des rallyes modernes, et ça sont très intéressés par ça. Surtout qu'ils voient des voitures que moi-même j'ai regardé sur le parc fermé, là. Il y a des voitures que je n'ai pas vues ou plus vues depuis très très longtemps.
avec Renault. La première fois, c'est en 1973. Et depuis 1976, je suis avec Renault tout le temps, pour plein d'événements. Et donc, j'aime bien la marque Renault. Et la marque Renault aime bien Jean Agnotti, donc on s'entend bien. Till the morning, until the sun comes up. Oh, oh.